Je remercie Romuald Foncoua. Je pense qu'il y aura des questions un peu plus tard. Donc, première leçon à retenir, prendre l'affaire Dreyfus comme un paradigme à partir duquel nous allons lutter contre tous les ignobles mots qui se terminent en isme et qui conduisent aux pires conduites. Maintenant, j'imagine que Simon Epstein va également venir nous proposer d'autres pistes. Simon Epstein est professeur et chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est économiste et historien, auteur de plusieurs ouvrages sur l'antisémitisme et sur l'histoire du peuple juif. Et puis, notamment, auteur sur l'antisémitisme, l'histoire du peuple juif en France durant les périodes de l'affaire Dreyfus et de l'occupation allemande. Il y a trois de ces ouvrages qui ont eu un fort retentissement en France, et pas seulement en France d'ailleurs. Le premier, Les chemins jaunes, en 1990, qui parle de l'extrême droite israélienne. Le second, Les Dreyfusards sous l'occupation, en 2001, qui va traiter du parcours de Dreyfusards. Que sont-ils devenus pendant la Seconde Guerre mondiale? Et le dernier est une suite à ce second livre, ça s'appelle « Un paradoxe français », publié en 2008, qui revient donc sur le sujet en complétant l'étude du parcours des anti-Dreyfusards qui s'engagèrent de manière inattendue dans la France libre et la résistance, alors que plusieurs Dreyfusards se sont retournés vers la collaboration. Voici donc le paradoxe qui, en effet, nous amène à réfléchir bien au-delà de l'affaire Dreyfus. Simon Epstein va nous parler donc aujourd'hui de ce paradoxe surprenant. Je vous remercie d'être venu et je vous invite à prendre la parole. Je vous préviens au bout d'un quart d'heure, je vous mets le petit micro. N'oubliez pas d'être près de celui-ci également. Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais commencer par une précaution. À Martine, je voudrais dire que tout ce que je vais dire, rien de ce que je vais dire ne ternira le courage et la grandeur d'Émile Zola. Et à Yaël, je veux dire que rien de ce que je vais dire ne ternira le courage et l'obstination et la ténacité de Dreyfus. Les Dreyfusards nous ont appris une chose, c'est qu'il faut s'appliquer à soi-même, il faut appliquer aux autres, mais aussi s'appliquer à soi-même le principe de vérité. Alors, c'est ce principe que je vais essayer dont je vais essayer de parler maintenant. Et je voudrais d'abord faire référence à un livre qui est paru en 1909, qui est fondé sur un colloque organisé par la Ligue des droits de l'homme sur le dreyfusisme et l'avenir du dreyfusisme. Et il y a un très bel article qui indique la poursuite et la continuité du combat et de l'engagement dreyfusard. Et il mentionne notamment un comité qui s'appelle le comité Rousset. L'affaire Rousset était en fait la première affaire post-dreyfusard. Rousset était un soldat injustement accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis en 1911-1912. Et donc il y a un comité de dreyfusards qui s'organise pour exiger, et qui d'ailleurs obtiendra, la libération de Rousset, injustement accusé. Et donc, ce livre publié en 1909, pour montrer la grandeur et la continuité de l'engagement dreyfusard, nous donne une partie des signataires, une partie des membres de ce comité Rousset. Et c'est normal qu'on n'en donne qu'une partie. Il n'y a pas la place pour donner les 30 qui sont membres du comité Rousset, des camps de dreyfusards qui sont membres du comité Rousset. On n'en donne que quelques-uns. Alors, j'ai pris cette page et je suis allé voir la liste complète. Et la liste complète est facile à trouver, il y en a une trentaine. Et je vais citer certains de ceux qui étaient sur la liste, qui étaient membres du comité Rousset, mais qui n'ont pas figuré dans le livre de 1909 sur la grandeur et la continuité et les leçons de l'engagement dreyfusard. Le secrétaire du comité, d'abord, René de Marmande, un jeune dreyfusard, merveilleux,
En 1933, il compare les hitlériens aux anti-dreyfusards. Il est contre l'antisémitisme. Pendant la guerre, il est collaborationniste forcené. Il écrit des articles antisémites et des articles pro-allemands dans plusieurs journaux comme l'Atelier. Armand Charpentier va beaucoup moins loin que lui. C'est un beau dreyfusard. Il écrit plusieurs livres sur l'affaire Dreyfus. Un intellectuel pendant la guerre. Il est collaborateur. Il écrit dans le journal de Jean Lucher, Les Temps Nouveaux. Félicien Chalet, un merveilleux dreyfusard, un anticolonialiste, un pacifiste dans les années 30. Il ne veut pas faire la guerre à l'Allemagne nazie. Il fait un voyage en Allemagne en fin 1938 et il revient avec un rapport absolument sidérant selon lequel, d'après ce qu'il a vu, l'Allemagne nazie n'est pas du tout un pays qui prépare la guerre et au contraire, c'est un pays qui cherche tout simplement à développer ses... Chalet sera évidemment collaborateur pendant la guerre. Il est évidemment membre du comité Rousset. Hermann Pohl est le caricaturiste dreyfusard le plus célèbre. C'est lui qui se bat avec Carandache et les caricaturistes antisémites et anti-dreyfusards. Hermann Pohl, dans les années 30, fait des caricatures antisémites dans Je suis partout. Je suis partout est un journal antisémite à partir de 1936, très antisémite en France. Hermann Pohl est le caricaturiste et il fait des caricatures antisémites assez virulentes, assez méchantes. J'en viens au plus beau. Le plus beau, c'est un jeune avocat qui était un jeune avocat d'extrême gauche à l'époque, qui était jeune en 1998, il avait 13 ans en 1998, mais ses biographes racontent qu'il était déjà excité par l'affaire Dreyfus, il était très politisé, ce jeune avocat. Et ce jeune avocat, vous connaissez son nom, et l'auteur de l'article, quand il a vu la liste des membres du comité Rousset, connaissait aussi son nom, puisqu'il choisit Pierre Laval. Pierre Laval, donc jeune dreyfusard, membre du comité Rousset, avocat d'extrême gauche, pacifiste, et Pierre Laval dirigera la France entre 1942 et 1944. On a là deux choses, et c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple pour commencer. On a d'une part ici une belle brochette de dreyfusards qui deviendront collaborateurs ou collaborationnistes, ou même chefs de la collaboration avec Pierre Laval. Et on a ici un historien, ou des historiens, sympathiques d'aujourd'hui, qui ont la liste sous les yeux, et qui, pour montrer la continuité, la grandeur et la beauté de l'engagement dreyfusard, il sait très bien qui est Pierre Laval, celui qui a écrit cet article. Il ne sait peut-être pas qui était Armand Charpentier. Bon, mais il sait très bien qui est Pierre Laval. Alors, il a tout simplement éliminé ces méchants de la liste et il a donné les bons. Les bons, à savoir essentiellement des dreyfusards qui mourront avant d'arriver à 1940. Et il donne une liste de types très sympathiques qui font partie du fameux comité Rousset. Et ça m'amène à ma réflexion de fond, si vous voulez bien. On peut continuer les itinéraires des dreyfusards et se demander qu'est-ce qu'ils vont devenir sous l'occupation. Pas tous, bien sûr, il faut avoir été relativement jeune en 1898 pour être encore vivant et en activité en 1940. Donc, il y en a une bonne partie des dreyfusards qui vont disparaître, qui n'entrent pas dans l'étude, qui n'entrent pas dans la catégorie. Il ne faut pas prendre les juifs aussi, parce que c'est évident, les juifs sont naturellement porté vers le dreyfusisme en 1898 et naturellement porté contre la collaboration en 1940. Donc il ne faut pas prendre les juifs. Mais il en reste encore beaucoup dont on peut suivre les itinéraires et dont on peut se demander qu'est-ce qu'ils vont faire pendant la guerre. Et ce qu'on découvre, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont dans la collaboration, dans les différents degrés de la collaboration. Il y a la collaboration soft, il y a la collaboration d'État, et puis il y a le collaborationnisme violent, nazi, antisémite. Alors, il y a mille façons d'aborder le problème. Je vais vous en proposer une ou deux juste pour essayer d'avoir une image, et ensuite on essaiera de voir quels sont les facteurs, quels sont les vecteurs qui ont conduit le dreyfusisme, ou une partie du dreyfusisme, vers la collaboration. À la Libération, un groupe de résistants intellectuels publie une liste d'écrivains et d'intellectuels traîtres. C'est ce qu'on appelle la fameuse liste du Comité national des écrivains. C'est une liste, il y a plusieurs versions de cette liste, mais il y a une liste et en gros, bon, il y a peut-être des erreurs ici ou là, il y a des gens qui auraient dû y être et qui n'y sont pas, il y a des gens qui n'auraient pas dû y être et qui y sont, mais en gros, cette liste est bonne.
Maintenant, si on prend cette liste, elle comprend à peu près 150 personnes. Sur ces 150, j'ai identifié 15 Dreyfusards. Mais ça fait 10%, mais c'est une erreur, parce qu'une bonne partie des gens de la liste, c'est des gens qui ne pouvaient pas être Dreyfusards parce qu'ils sont trop jeunes pour l'avoir été. Donc si on ne prenait de la liste que ceux qui avaient l'âge d'être Dreyfusards, c'est-à-dire que ceux qui avaient déjà, disons, 60, 65 ans en 1940, on aurait un pourcentage beaucoup plus élevé d'anciens Dreyfusards. Et je vais donner quelques noms, si vous le voulez bien. Ils apparaissent par ordre alphabétique. Ils apparaissent par ordre alphabétique. Je vais faire ça assez rapidement pour réserver plus de temps pour l'analyse du phénomène, si vous le voulez bien. Agelbert est un Dreyfusard de combat. Il se bat en duel, il publie des livres, il publie des articles. C'est un ami de Bernard Lazare. Agelbert est un des intellectuels du PPF. Le PPF, c'est le parti collaborationniste de Jacques Doriot, et Agelbert fait partie des intellectuels du PPF. Chalet, on a déjà parlé de lui. Un nazi foufou complètement délirant, Alphonse de Chateaubriand, une espèce de fou. Delésy est l'adjoint de Victor Bache, ou disons, il fait partie des adjoints de Victor Bache à Rennes. Quand Victor Bache crée la Ligue des droits de l'homme à Rennes, quand Victor Bache est attaqué de tous les côtés, Delésy est de ceux qui défendent Victor Bache. Delésy est un collaborateur de gauche pendant la guerre. Et il y en a d'autres. J'en ai identifié 15. Il y a bien sûr Urbain Goyer, mais lui, personne ne s'étonnera. Il était déjà antisémite en 1898. Il est Dreyfusard forcené. Il se bat en duel. Il publie des articles. Il publie des articles dans l'Aurore. Pour un article que Clémenceau publie, il y a un article de Goyer à côté. Goyer était antisémite, et pendant la guerre, c'est un antisémite qui se déchaîne, bien entendu, pendant la guerre, exigeant l'extermination des Juifs et disant on n'en fait pas assez, on ne va pas assez vite, on n'en fait pas assez. Alors, de quelque côté qu'on prenne le problème, on découvre des Dreyfusards. On en découvre aussi parmi les opposants, bien entendu. On en découvre beaucoup parmi les collaborateurs. On en découvre à Vichy. À Vichy, parmi ceux qui font l'élaboration de la doctrine vichysoise, je pense à Bardoux, qui était un des animateurs des universités populaires, ou à Rivaux. On les trouve chez les ambassadeurs de Pétain. On les trouve chez les ambassadeurs de Pétain. Je pense à François Pietri. Je pense à Léon Bérard, qui est ambassadeur au Vatican et qui fait son fameux rapport, ce qu'on appelle le fameux rapport Bérard. Et il y a des ministres. Carcopino, ministre de l'Éducation, qui procède à l'expulsion des Juifs, est un ancien Dreyfusard. C'est connu, c'est su. Lucien Romier, qui est ministre d'État très proche de Pétain et qui a beaucoup d'influence sur Pétain, un ancien Dreyfusard, c'est aussi un ancien philosémite. Il publie des livres contre l'antisémitisme dans les années 30. Lagardelle, ministre du Travail sous Pétain. Lagardelle est bien entendu un Dreyfusard, et même un Dreyfusard de combat. Il est de ceux qui mènent les troupes à la bataille au Quartier Latin et ailleurs dans les années chaudes, les années 98, 99 ou 1900. Et il y en a encore d'autres. Et donc, c'est très dur d'établir des proportions, c'est très dur d'analyser en termes de combien y a-t-il de Dreyfusards, combien y a-t-il d'anti-Dreyfusards. Moi, personnellement, j'ai identifié beaucoup plus de Dreyfusards que d'anti-Dreyfusards. D'anti-Dreyfusards des vrais, pas des anti-Dreyfusards idéologiques, des anti-Dreyfusards réels, pas des métaphoriques, des réels. À Vichy, il y a Végan, oui, dont on sait qu'il était anti-Dreyfusard, il était aussi anti-allemand. Bon. Alors, pourquoi ce déport massif? J'ai encore combien de temps? Alors, premièrement, pourquoi ce déport massif du dreyfusisme, ou d'une partie du dreyfusisme vers la collaboration? Et deuxièmement, pourquoi on ne le voit pas? Et quel est le destin, le triste destin de ceux qui révèlent cette triste réalité? Alors, premièrement, si vous voulez, les vecteurs. Il y a plusieurs vecteurs. Il y a plusieurs voies qui conduisent les Dreyfusards. Il y a une voie qui va les conduire par l'extrême droite. Hein, Camille Mauclerc, un très beau Dreyfusard de combat, va passer par l'extrême droite. Et c'est l'extrême droite qui va le conduire à l'antisémitisme et à la collaboration. Mais il y en a beaucoup d'autres où c'est précisément le pacifisme qui va les conduire. Le pacifisme qui est une des données de base, l'antimilitarisme, le pacifisme qui se renforce, bien entendu, dans la France des années 20 et 30, à la suite des massacres de la Première Guerre mondiale, à la suite des boucheries de la Première Guerre mondiale. Et donc,
Il y a beaucoup de gens, et notamment un type comme Victor Marguerite, qui était ami des Juifs avant 1933, un type comme Félicien Chalet, qui disent, si on doit faire un choix entre nos valeurs, la valeur principale, c'est la paix. Et avec qui fait-on la paix? On fait la paix avec l'ennemi. Et qui est l'ennemi? L'Allemagne. Et même que l'Allemagne soit la bonne Allemagne républicaine ou qu'elle soit la mauvaise Allemagne nazie, on fait la paix avec l'Allemagne. Et donc, il y a toute une partie de gens formés par le dreyfusisme, inspirés par l'humanitarisme, anciennement philosémites, et même certains vont le rester encore, en tout cas partiellement, comme Félicien Chalet aura le cœur qui battra à chaque fois qu'il devra dire que les Juifs sont responsables de la guerre, mais il ne peut pas vraiment le dire, alors il dit peut-être pas tous les Juifs, peut-être les capitalistes juifs, enfin il a un problème, il ne peut pas le dire, parce que c'est un ancien philosémite, et le philosémitisme pèse encore sur son passé, et sur sa conception du monde. Alors tout simplement, ils vont dire... on le voit chez Victor Marguerite, Dreyfusin, on le voit chez Chalet, on le voit chez beaucoup d'autres, ils vont tout simplement dire la valeur principale, c'est la paix. La paix, il faut la faire avec l'Allemagne telle qu'elle est. L'Allemagne telle qu'elle est, elle est nazie. Et donc, si les Juifs commencent à s'exciter à dire les Juifs sont malheureux, tout ça, il faut qu'on fasse un choix. Notre choix, c'est le choix de la paix. Victor Marguerite le dit dans un texte très dur, il dit à ses amis de la LICA, il était à la LICA avant 1933, il dit... Donc j'ai encore 10 minutes. C'est merveilleux. Alors, Marguerite le dit, Victor Marguerite le dit à ses amis de l'ICA, il dit, si je dois choisir entre le malheur des Juifs allemands, les Juifs allemands sont malheureux maintenant parce qu'ils sont persécutés, et une nouvelle guerre européenne où il y aura des millions de morts, eh bien je choisis de faire la paix, et la paix, s'il faut la faire avec Hitler, eh bien il faut faire la paix avec Hitler. Ça, bien entendu, ça conduit vers la collaboration, c'est la voie royale, c'est la grosse voie qui conduit vers la collaboration. Souvenons-nous, c'est le pacifisme essentiellement qui conduit vers la collaboration, c'est le refus de faire la guerre à l'Allemagne, et une fois que l'Allemagne a conquis la France, le refus de combattre contre l'Allemagne. C'est ça le vecteur principal, si vous voulez. Il y a aussi d'autres voies, il y a aussi d'autres passerelles qui vont conduire les Dreyfusards, mais ça, c'en est une importante. Alors, pourquoi on a du mal à percevoir ce mécanisme? D'abord, ce mécanisme ne couvre pas tout le monde. Mais pourquoi on a du mal à le couvrir? Il y a ça plusieurs raisons. D'abord, de manière générale, on n'aime pas les mutations politiques. On aime bien que les gentils soient gentils et que les méchants soient méchants. Bon, et on construit sur la permanence des gentils et la permanence des méchants. On construit des théories qui vont très loin. Ça s'appelle pour la France les deux Frances, mais ça existe pour tout le monde. Ça existe pour chaque pays. Les gentils qui restent gentils, les méchants qui restent méchants. C'est tout à fait contraire à l'expérience politique. C'est tout à fait contraire à ce que l'histoire nous enseigne. On bascule très facilement d'un camp à l'autre. Et on bascule tout particulièrement en matière de philosémitisme et d'antisémitisme. On bascule tout particulièrement. Et ce qui caractérise les années 30, c'est précisément ce phénomène de bascule. Et donc ça va frapper aussi, ça frappe aussi les Dreyfusards. On a du mal à l'accepter, parce qu'on a du mal à accepter cette question des mutations. On ne l'aperçoit pas. Mais il y a une raison plus profonde qui touche maintenant au dreyfusisme lui-même. Le dreyfusisme, dans l'histoire française, joue un rôle réhabilitateur. Parce que le dreyfusisme éclaire, ou l'affaire Dreyfus éclaire le passé français d'une lumière qui est censé surmonter les noirceurs ou les semi-noirceurs ou les conflits de 1940-45. C'est la bataille superbe, la bataille suprême. Et quand on vient avec l'idée, finalement très simple, finalement logique, qui consiste à dire « voyons ce que ces mêmes Dreyfusards vont faire 20, 30, 40 ans plus tard », eh bien, ça sonne mal. Ça sonne mal parce que les Dreyfusards ont fait l'objet d'un processus de béatification. Il y a une espèce de sanctification des Dreyfusards. On est prêt à se poser la question « comment devient-on Dreyfusard ?» On ne se pose pas la question de savoir « que vont devenir les Dreyfusards ?» On entre en béatification, on entre en sanctification, on n'en sort pas. À ça s'ajoute toute une série d'objections qui m'ont été et qui me sont encore opposées et qui sont tout à fait légitimes, si vous voulez, dans les débats. Je vais en raconter une parce que elle me frappe, elle ne cesse de me frapper. Je crois que Philippe, on avait fait une fois la remarque. On a coutume de dire que la France était coupée en deux. La moitié de la France était dreyfusarde, la moitié de la France était anti-dreyfusarde.
Et moi, je viens et je dis, bon, ben, dans ce cas-là, si la moitié de la France était de réfugiés, il y a beaucoup de monde, donc on peut quand même en trouver quelques-uns qui vivront jusqu'en 1940 et voir ce qu'ils vont faire en 1940. Et là, subitement, non, non, non. Zola meurt en 1902, Clémenceau meurt en 1929, Péguy meurt en 14 sur le front, c'est tout, il n'y a plus de réfugiés. La recherche sur ce que vont devenir les Dreyfusards est une recherche qui est complètement idiote, parce que le dernier des Dreyfusards, à savoir Clémenceau, le dernier des trois Dreyfusards, à savoir Clémenceau, est mort en 1929. Et tout s'arrête. Et tout s'arrête là. C'est bloqué. Il n'y a plus de Dreyfusards après. Ça, c'est une façon. Une autre façon, un peu plus sophistiquée, mais d'occulter la question, ce sont les biographies tronquées. Et je le dis, j'en ai donné quelques exemples, j'en ai trouvé encore beaucoup d'autres. Beaucoup de livres sont fondés sur des biographies tronquées. Quand on parle de l'affaire Dreyfus, on parle d'Agelbert comme étant un valeureux combattant, comme étant un très proche ami de Bernard Lazare, comme étant un des Dreyfusards de première ligne. Quand on parle de la collaboration, on parle d'Agelbert comme un type de Doriot, un des intellectuels de Doriot. On ne fait pas le lien entre les deux. À savoir, dans le livre sur l'affaire Dreyfus, on verra Agelbert se battre en duel contre, je ne me souviens plus contre qui, il n'y a que Philippe qui doit le savoir. Quand on parle de la collaboration, on sait qu'Agelbert est un homme de Doriot, un intellectuel de Doriot. On ne fait pas le lien entre les deux. On ne fait pas le lien entre les deux. Et nos biographies sont tronquées. Il y a des biographies qui s'arrêtent juste à temps. Elles s'arrêtent juste avant 40. Il y a des biographies qui, vers l'arrière, qui sont tronquées vers l'arrière. Hein. On peut les tronquer vers l'avant. On peut les tronquer vers l'arrière. Tout simplement pour bloquer cette continuité. Alors, je voudrais conclure maintenant, si vous le voulez bien. Et je voudrais tout simplement reprendre une idée qui est fondamentale, qui est essentielle. Les Dreyfusards se sont battus contre la sanctification de l'armée. C'est-à-dire contre l'idée, c'est pas parce que l'armée dit quelque chose, c'est pas parce qu'une institution dit quelque chose que c'est forcément vrai. Et au-dessus de l'institution qui affirme quelque chose, il y a le principe de vérité, ou le principe d'analyse, ou le principe de critique. Bon. Eh bien, ça s'applique aussi aux Dreyfusards. Ça s'applique aussi aux Dreyfusards comme objet de recherche. Ça s'applique aussi aux historiens comme porteurs de recherche. Voilà.